Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. On en est donc à l'épisode 8. J'essaye d'accélérer un petit peu la sortie des épisodes parce que j'ai vu que vous étiez impatients dans les commentaires. Je lis bien tous les commentaires, hein, comme celui qui me conseille d'appuyer sur triangle pour afficher la carte. Écoute-moi bien. Jamais, au grand jamais, tout le long de cette aventure, je n'appuierai sur triangle pour ouvrir la carte. Je passerai toujours par le menu. Je sais que ça te fait chier. Je sais que ça fait chier même d'autres personnes, mais c'est comme ça, d'accord? Je fais ce que je veux, je décide de ce que je veux, c'est mon aventure, mon pote, d'accord? Bref, les amis, ne nous réjouissons pas trop vite. C'est le passage, je crois, il y a deux passages que je déteste dans Resident Evil 4. C'est celui de l'église, celui-ci, c'est-à-dire tout le chapitre. On va dire, on va segmenter le jeu en trois chapitres, d'accord? Donc le premier c'était au village, le deuxième c'est à l'église, le troisième je garde la surprise. Et ce deuxième chapitre, clairement, c'est celui dont je ne me souviens le moins et celui que j'apprécie le moins. Mission de sniper, il y a deux mecs au loin. Bon, forcément le message est passé et puis j'ai suffisamment de balles de snipe pour pouvoir en profiter. Hop, ferme-la toi, tu racontes ta vie là, t'es là en train de murmurer à l'oreille des chevaux. Hop, ferme-la toi aussi. Ok. J'ai plus beaucoup de vie, Ashley non plus, mais Ashley, on va dire qu'on s'en bat littéralement les couilles à l'heure actuelle. Je vais faire quoi? Je vais combiner mes herbes. Je vais utiliser pour moi-même. Et puis là, bah les gars, bonne chance. Je déteste ce passage, me semble-t-il. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Est-ce que c'est celui que je pense en extérieur, là, avec les catapultes? Ouah, sa mère. Wait. Attends-moi là. Ok, c'est bien lui. C'est bien lui. Je sais plus comment faut faire pour utiliser... Yes. Ok. Follow me. Suis-moi ma beauté australienne. Wait. Follow me. Non, suis-moi bien. Ok. Là, on est potentiellement à l'abri. C'est bien ça. Ok, je crois qu'on est à l'abri. Bon, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il reste pas mal de catapultes. Follow me. Suis-moi. Attends, viens. Viens. Wait. Attends-moi ici. Waouh. Ok, c'est pas ouf, hein. Un en moins. Putain, ça chuchote. Ça chuchote partout. Oh, ma gueule. Oh, lol. Attendez, je crois que si on tire dans le casque, ça ne fait rien. Hop. Ah d'accord, très bien. Hop, dans son doigt. Pointe pas du doigt. Je vais t'apprendre la politesse. Ok. C'est pas terminé. C'est pas terminé, malheureusement. Je ne sais pas combien il en reste. Wait. Surtout, ne bouge pas, ma soeur. J'entends trop de trucs chum, là. Putain. Il est où le dernier? J'arrive pas à localiser, il est là. Il est là, mais je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est? Ça vient sur moi, là. Ferme-la, toi. Y a pas de truc explosif, là? Y a vraiment pas de truc explosif? Ah, putain, je l'avais pas vu. Je déteste ces bruits, putain. C'est quoi, ça? Oh! Ah oui, d'accord. Les gars, vous êtes là. Vous faites la queue. Nickel. Allez, ça, c'est bon, ça. Deux pour le prix d'un. Ok. Les catapultes, c'est fait. Je crois qu'il n'y a plus personne dedans. Oh, des munitions. Putain, des munitions à gogo, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. D'accord, je pense qu'on peut reprendre le pistolet. Très bien. Donc, c'est parti. La phase de fouille. Il n'y a plus personne là-dedans? Non, il n'y a plus personne. Voilà aussi pourquoi je les aime le moins, c'est ceux qui font un petit peu flipper. Oh, bleu velours. Je crois que ça vaut le même prix que la spinelle. C'est juste pour remplacer la spinelle, histoire de varier un petit peu le plaisir des décors. Oh, très bon, ça. Et ouais, mais j'ai plus d'herbe verte, et ça, c'est relou. Ça, c'est très relou. Oh. Je sais pas combien ça vaut. Bracelet en or, très bon, ça. Y a rien là-haut. Ok, on va regarder la carte de temps en temps. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Bon, on avait un trésor qu'on a réussi à ramasser. Très bien. Bon, bah on continue, les gars, hein. C'est bon, ça.
Comment on va faire? Là, il y a quelque chose là. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus du tout. Mais d'accord, je me fais plus tirer dessus là. Il y a personne qui va prendre la relève à la catapulte. Ah oui, d'accord. D'accord, effectivement, maintenant que c'est sorti, je me souviens de ce passage. Assez drôle, le mec ne rigole pas, hein, clairement. Attends, il n'y avait rien là-dessus, là, par exemple, en hauteur, non? Il n'y avait rien à faire tomber? Petite chapelle avec rien à faire tomber, c'est pas ouf. Hein. Allez, vas-y, on fait feu. Ok. On n'est toujours pas rentré, hein, les gars. On n'est toujours pas rentré dans ce monastère. Je sais pas comment ça s'appelle, un truc aussi grand. C'est pas qu'une église. Je pense que ça fait la superficie d'une église seule. Mais ça doit être un monastère, hein, je pense, où il y a bien... Enfin, un lieu de culte aussi grand, je suppose que ça s'appelle un monastère. On va l'appeler le château, la face du château. Quoi qu'il en soit, on s'en bat au final littéralement les couilles. Alors, j'ai l'herbe jaune, ça c'est cool. Et niveau carte, on en est où? On en est où? Parce qu'au final, j'ai peut-être pas tout fouillé en bas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il serait pas judicieux d'aller tout fouiller, justement? Est-ce que je n'ai rien loupé parce que j'ai dû tracer avec toutes ces petites conneries? Tiens, ici, on a quelque chose, là, non? C'est là où j'ai tué les deux mecs, y'a rien du tout? Si, regardez. Si, vous voyez? Sympa, ça, deux caisses comme ça, là. En plus, on était à l'abri des tirs. J'ai eu chaud, hein, mine de rien, cette phase. Elle est vraiment pas évidente, je vous l'assure. Avec Ashley, oubliez pas qu'Ashley, c'est vraiment le cancer de ces 400 dernières années. Je peux pas descendre ici, il y a juste rien à faire. Yes, sympa ça. J'ai bien fait de faire demi-tour. Ça rapporte des munitions, c'est plutôt worse. Il n'y avait pas quelque chose dans ce hall aussi à faire tomber là? Non, je crois pas. Ouais, j'essaie de fouiller partout. Au final, je passe à côté de choses flagrantes et malheureusement, les choses les plus cachées, j'arrive à les avoir. Oh, frérot, comment vas-tu? Welcome. Bah, welcome, welcome. Bah, merci bien. Bienvenue à toi aussi. Tu me dis welcome à chaque fois. Ça veut dire que t'es choqué de me voir en vie ou ça marche comment? Ok, je peux améliorer le Riot Gun. Par contre, il y a le Striker dans pas si longtemps que ça. Et me semble-t-il... Comme je disais, que ça ne sert à rien d'acheter le Broken Butterfly. Non, ça sert à rien. Il n'y a pas de boss. Et je crois même que... On pourra l'avoir gratuit dans un mini-jeu. Ou c'est peut-être un autre que je pourrais avoir gratuit, je sais pas. Je sais qu'il y a un magnum qu'on pourra avoir gratos. Ok. Il y a énormément de trucs. Lunettes. Il y a même une lunette pour le lance. Putain, le lance-mine, j'en ai vraiment, je m'en souviens plus du tout, hein. C'est fou. Hein. Ok. Eh ben, on peut continuer, les amis. Il n'y a rien à faire d'intéressant par ici. Direction l'entrée de l'église. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Okay. Ok, fin de la transmission, ça s'est de toute évidence pas passé comme prévu. Épée de platine, eh ben on va prendre. Y a pas de soucis. Bah putain, tire pas la gueule comme ça ma soeur. C'est rien, tout va bien se passer. On ouvre, de l'or, on prend, évidemment. Allez vas-y Ashley. Oh là. J'ai jamais fait vraiment gaffe au tableau comme quoi. Maintenant. Attends. Watcha cha cha cha! Chou cha cha! Non! Attends! Tête de ma mère, tu veux toucher Ashley? Oh, viens Ashley! Vas-y, viens Ashley! Mais quelle éconne! Ashley! Ashley, quand tu vois quelqu'un qui fait des cercles avec son boulet et ses piques, mais ne meurs pas! Mais Ashley, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'en ai marre! Tu me pourris mon jeu, je suis pas mort une fois! Putain, c'est pas vrai. Ashley, vraiment, tu fais pas d'effort. Extrêmement déçu de sa participation jusqu'ici. Hein. Vraiment, Ashley, je viens de sauver à la base. Mais je crois que je vais te laisser pourrir en enfer parce que là, tu m'as saoulé. Ok, bon, on va prendre le pont parce que tout est évident, je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Viens, viens, Ashley.
On va rester là-dessus. Mais attends, il n'y avait pas des mecs qui allaient venir de toute façon. Je crois que c'est pas super worth ce que j'ai fait en fait. Ils vont venir ou pas? Est-ce qu'ils sont aussi intelligents? Les gars? Ah, voilà. Ok. C'est là où on va pouvoir faire la technique dont on parlait. Oh bah tiens. Hey. Voilà, le suplex. Ça, c'est fait. C'était la technique que je vous parlais l'épisode précédent. Bah ça, non, oh là, attends. Normalement, c'est un dégât de coup critique hallucinant. Et t'as réussi à survivre avec un suplex. Alors, c'est une prise de catch. Hein. Ok. Donc, c'était ça la technique de tirer dans les jambes, aller derrière. C'est faire un suplex, en fait. Passer le corps ennemi par-dessus. Et puis l'enculer comme jamais, hein, littéralement. Ok, ça y est, on peut y aller. Allez, viens, ma soeur. Il n'y a plus personne. Ah d'accord, il a fallu du temps. Ok, il a fallu du temps pour que ça réagisse. Non. H. Pour... Oh là là, putain, Shrek. Ok, fouah, les gars, vous êtes combien de millions? De mille milliards, de mille sabords. Allez, ça dégage, ça m'a saoulé. Et là, tu me racontes ta vie. Toi aussi, tu m'as saoulé, gros. Je veux bien être sympa. Ok. On va pouvoir reprendre le pistolet, on va pas utiliser toutes ces balles de pompe. Qu'est-ce que je fais là, les gars? Je suis barabouté. Oh, les gars! Ok, c'est bon. Pas de soucis, on reprend. Voilà. Ouais, non, mais les gars, attends, depuis quand vous êtes aussi... Calme-toi, petit. Il en reste encore. Oh putain, les gars! Oh, il a travaillé une esquive, c'est son pote Capri. Quoi? Les gars, je veux bien. C'est pas super ouf ce que vous me faites là. Vous êtes combien là, sérieux? Venez à la queue, moi je veux bien, mais filez-moi au moins des munitions quoi. Ah, ça c'est pas cool ce qui va se passer. Ah non, il est mort. Ah, ça c'est pas cool par contre ce qui va se passer aussi. Ah non, il est mort aussi. C'est bizarre, le virus ne s'est pas emparé du... n'a pas évolué, aussi étrange soit-il. Alors normalement, il y a toujours le mec rouge, si le jeu est bien fait. En plus, je crois que c'est lui que j'entends. Attends, attends-moi ici, ma soeur. Tout ne va pas se passer comme prévu. Ou oh, attends, j'ai ramassé ça. On se fait des petits plaisirs, il a l'air littéralement bugué, le mec. Oh, très bien. Plus qu'une herbe, une herbe verte, et on sera remis sur pied, avec encore plus de vie que prévu. C'est bon? Je t'ai fait débugger? Non, t'as l'air con, hein. Si, c'est bon. Non. En fait, je crois que sa vue est réduite à 2 mètres, à peu près. 3 balles. Ok, donc de toute évidence, les rouges, ils sont fâchés. 4 balles, quand même? Ah, c'est peut-être eux qui vont évoluer. Attendez, bougez pas. C'est peut-être intéressant à voir, ça. Yes, saloperie. Follow me. Suis-moi, H. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais il est où? Qu'est-ce que c'est que c'est? La vache! Oh ouais! Oh ouais, bébé! Il est encore plus gros que les autres, lui! Et il bouffe littéralement la gueule! Mais saloperie! Allez! Ça, ça donne des munitions, ça, par contre. Ça, c'est c'était un peu big boss. Ok, hey, 4500 pesetas, je prends. Bon, bonne chose de faite, les gars. Une épée dorée, cette fois-ci. Donc je suppose que dans... voilà, il faut mettre dans le socle en platine l'épée en platine et dans le socle doré, eh ben il faut mettre l'épée dorée. Je ne vous apprends rien, c'est pas l'énigme du siècle. C'est ça qui était pas mal non plus, c'est que dans ce Resident Evil 4, t'avais pas des énigmes qui t'emmenaient chez Toutankhamon, cousin, tu comprenais rien. Ok, vas-y, viens H, tout va bien se passer. Ça serait tellement bien que les tableaux changent de gueule. Alors, moi, je me souviens d'un truc qui m'avait un peu traumatisé quand j'étais gamin. C'était le prototype de Resident Evil 4, la première fois qu'il a été montré. Il y avait des fantômes. C'était dans un monastère un peu comme celui-ci. Et il y avait des fantômes, et je trouvais ça juste fou. J'avais tellement hâte d'y jouer. Et malheureusement, il n'est jamais sorti. Leon. Louis. I've got something for you guys. Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions.
Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Louis, franchement, t'aurais pu l'emmener. Moi, ça me gênait pas. Franchement, pas plus que ça. Je t'avoue que, en plus, elle s'est portée volontaire d'elle-même. T'aurais pu faire l'effort. Ok, bonne chose de faite. Donc, on met la carte. Je n'appuierai pas sur triangle. N'essayez pas, ne comptez pas sur moi, les gars. C'est hors de question. Ici, c'est fermé. Oui. C'est verrouillé. Très bien. Donc, il faut une clé. Clé qui se trouve sur la droite. Et qui va me donner... Oh, salut, frérot. Oh la vache! Et qu'est-ce qu'il fait? Ça l'a saoulé, il est parti! Vas-y, viens, Ashley! Ok, là, là, il y a moyen de faire un petit carnage au snipe. Oh, ça, c'est pas cool! What? Viens, Ashley! Oh la vache! Non, mais c'est une blague! Sérieux là! Ashley, Ashley, va pas te prendre un coup de couteau, tu vas me saouler. Putain, j'ai niqué trop de balles de snipe, je suis deg! Qu'est-ce que j'ai fait là, B-Boy, ressaisis-toi! Ok, on va remettre de l'ordre, je sais pourquoi. Parce que dans mon inventaire, ce n'était pas en ordre. Essayez de me comprendre, c'est pas évident. J'ai presque plus de balles de... Bon, de pistolet, non, j'ai fait l'américain, mais quand même. Balles de snipe, j'en ai, mais on va pas tout utiliser. Ils sont un peu radins niveau balles. J'ai quand même l'impression, j'ai toujours eu cette impression-là, que le jeu examine un petit peu ta partie. Dans le sens où quand t'as peu de balles, il va t'en donner beaucoup plus. Et quand t'as beaucoup de balles, il va plus te donner des trésors. C'est l'impression que j'ai, pour être honnête avec vous. Quoi? What? Jure? Wesh! C'est quoi ça? Oh là là, c'est vraiment... Il m'a enculé. Il m'a même pas donné le droit de réagir. Ça va bien. Un petit suplex? Allez, ça dégage. Ça met fin à la musique. Ok, une petite herbe, ça serait sympa. Je suis dégoûté d'avoir pris autant. Ah là là là, là je suis deg. D'avoir pris ces deux flèches-là, ça m'a mis au plus mal. Il me faudrait une herbe, s'il vous plaît. Allez, faites-moi plaisir, les mecs. Ah, je suis fâché. Aïe, 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 aïe. Je me suis mis dans la merde. Ça va pas être évident, la suite, là. Ça va pas être évident. Ces deux flèches étaient clairement trop. La première, je dis pas, je m'en foutais. Mais la deuxième, quoi, putain. Oh, 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 les gars, vous êtes sérieux? Ok. J'étais pas prêt à ça, moi. Hop, c'est comme ça, tu vois, Ashley. Premier qui te fait chier. Putain, les gars, j'ai pas combien de balles il me faut. Voilà. Et lui, lui, c'est demain ne meurt jamais. Allez, des munitions, s'il vous plaît, des herbes, quelque chose, putain, sortez-moi de là. Bonjour, messieurs. Y a un truc explosif. Oh, putain, nickel. Il suffisait de demander. J'aimerais bien des serpents, finalement. Hein, je disais que c'était relou, mais j'ai jamais voulu autant de serpents que maintenant, parce que quand tu les tues, ils te donnent quasi... Je crois que la probabilité, c'est à peu près 90% d'œufs. Ok. La clé, forcément, dans un coffre. Waouh, j'étais pas prêt à ça. Je vous avoue que j'étais pas prêt à ça. Oh là là. Non, meurs, meurs. Putain, c'est terrible, c'est terrible. Tout ça, quoi, les gars. Putain, j'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. Heureusement que le truc de... En plus, je voulais essayer
Je voulais essayer le tonneau explosif pour vous montrer en disant « Ouais, j'aurais pu tirer là-dessus et tout. » Imagine, je l'aurais fait avant, comme un connard. Et là, il passe la porte. Bon, bah, je me fais arracher, littéralement. Ok, on va regarder un petit peu la carte. On va zioter. Il n'y aurait pas des trésors. Non, de toute façon, j'avais vu, il n'y en a pas. Après, il y a forcément des trésors qui se cachent souvent dans les... Là-dedans, là, dans les torches, les conneries comme ça. J'ai souvenir qu'ils étaient assez malins là-dessus. Mais bon, on est bien au-dessus de tout ça, les gars. Ok, on passe et on sauvegarde. Normalement, je pense qu'il y a de quoi sauvegarder de l'autre côté de cette porte. Fais-moi rêver, ma petite gueule, me déçois pas. Parce que ça fait quand même 24 minutes qu'on est sur le DOS. Et si je dois charger la partie précédente... Oh, là, tu me déçois, par contre. Ah ouais, là, tu me déçois... Quoi ? C'est qui rigole dès que je marche, la miskine ? Frérot ? I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. Ok. Petite cinématique sympa. Alors, le boss qu'on a vu... comment vous dire? Je pense que c'est le boss... Un de mes boss préférés. Un de celui que je trouve le plus charismatique avec Krauser. Mais ça, vous verrez un petit peu plus tard. Parce qu'au final... Mine de rien, l'histoire de Resident Evil 4 est quand même assez complexe. Hein. Elle fait une bonne suite. Enfin, je vais rien vous dire, mais vous allez très vite comprendre. Ok. Ah oui, d'accord. Toi, tu fais sortir des murs du sol, il n'y a aucun putain de souci. Je suis blessé, hein. Je suis pas bien, je suis pas super frais, là, je vous avoue. J'ai la tête qui commence à tourner. Ok, bon, on va... Parce que j'aime bien les choses bien rangées. Vous l'aurez compris. Ah, il y a un trésor. Lololol. Et le trésor, il est, bougez pas. Il est là-haut. Non, attends. Je comprends pas trop là où il est le trésor. Il est là-haut normalement. Il est pas sur le toit, miskine. On va regarder, bougez pas, parce que j'ai des doutes. Le trésor, il est. Bah, je confirme. Il est. Wait. Attends, bouge pas, tu m'as saoulé là. Je crois qu'il descend du ciel, non? Attends, bouge pas ma sœur. Ah, génial. Bon, au final, il est quand même... Oh ! Attendez, est-ce que ça va avec mon masque ? Parce que, attendez, oh là là, il y en a qui parlaient, qui disaient que... Ah non, putain, fais chier. Donc, vous aviez raison. Si j'arrive à trouver la verte de ce chapitre, je pourrais la combiner avec le masque quand même. Ok, pas mal. Parle mais. Bon bah suis-moi. Au final il est quand même bien tombé du ciel, hein. Je vais pas mytho les gars, j'ai pas fait l'Americano. J'ai le choix entre aller à gauche ou à droite, et très clairement, je dois aller à droite. Je dois aller à droite, et le prochain point de sauvegarde se trouve à peu près 800 km. Et à droite, oh ouais, ça me paraît sale ce qu'il y a là-haut là. Bah écoutez, je pense qu'on fera ça dans la vidéo, la prochaine vidéo les mecs. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Ah ça me fait chier de m'arrêter là. Allez, vous savez quoi, on continue. Quitte à vous fournir 40 minutes de vidéo, les mecs, c'est moi qui régale. On y va, on va arracher tout ce bordel. De toute façon, je sais même pas si on va s'en sortir. Vu que c'est clairement pas évident. Oh la vache. Les courants d'air, ils se sont arrêtés d'un coup, j'étais pas prêt. Oh, miskin. Oh lol. Ok, je me souviens. Lui, il est pas cool. Lui, il est clairement pas cool. Bah
balle de pistolet, tu m'étonnes, je vais en avoir besoin. Oh, herbe verte. Oh. Ah bah attendez, je vais la faire tout de suite la phase, non? Wait. Ah non, c'est peut-être une prison sévère. Très bien. Je vais pas la faire tout de suite. Salut frérot Lord Sadler, j'espère que tu vas bien. Hop, bougez pas. Voilà, on fait demi-tour. Ok, ok. Ouais, on va laisser la lampe là. Hein. Je crois qu'il va y avoir des gens pas très cool. Des gens pas très gentils. C'est parti! Dis-nous tout, capturez Luis Serra. Je sais désormais que Serra est entré dans le château. Pourquoi revient-il pendant son évasion? Je me demande quelles sont ses intentions, mais nous devons profiter de l'occasion pour le capturer. Nous nous occuperons des deux Américains après avoir mis la main sur Serra. Il a pris des vaccins quand il a volé notre échantillon. Les vaccins ne sont pas très importants, mais nous devons à tout prix récupérer ces échantillons. Notre vie en dépend. Il doit y avoir un groupe ou quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire. Si cet échantillon tombait entre les mains de cette entité, le monde que nous voulons créer ne verrait jamais le jour. Nous devons capturer Serra le plus vite possible. Okay. Je crois que j'ai peut-être fait... Oh, herbe jaune encore? Sérieux? Bah, Cimer. Cimer Albert, je m'y attendais pas, je vous avoue, j'étais pas prêt. Là, c'est fermé là. Yes! Yes, papa! Alors là, on a une phase compliquée. Là, on a une phase compliquée et de toute façon, personne ne viendra ici. Il n'y avait rien dedans. Ok. Bon, le boss que vous avez vu, enfin que je vous ai montré, c'est pas vraiment un boss. Hein. Mais c'est pas vraiment quelqu'un de normal. Follow. Vas-y, viens. Wait. Ouais. Évidemment, ah si, elles sont là. Ok. Il y a deux cloches. Il y a deux cloches. Bon. Première fois qu'on rencontre ce machin. Ouais. On est parti. Putain, lui, il est super spécial. Je sais plus trop comment il fonctionne. Je sais qu'il est littéralement... Il est totalement aveugle. Voilà. D'où le zoom sur les yeux. Il est totalement aveugle. Est-ce que c'est censé nous aider? Bien sûr. Ok. Vous l'aurez compris. Bon. Voilà, si je ne bouge pas, il ne bouge pas. Ok, c'est bon. C'est bon, ça a marché. Ça a marché. C'est pas évident cette connerie. On n'a pas gagné encore. Je sais pas où il est. Ok, il est là. Oh! Il est manipulé! Il est manipulé! Attendez. Il est plus manipulé. Il est plus manipulé. Ok, donc vous l'avez compris, il faut utiliser les cloches par contre. Une fois qu'il y a une cloche, il y a une cloche. Et ça, c'est relou. On est des machines. On est des putains de machines, les mecs. Il a pas bougé, miskin. Il était pas bien. Je sentais qu'il était clairement pas bien. Ok, GG, ça, putain. Désolé, j'étais super concentré. Allez, viens avec moi, ma sœurette. C'est bon, on va pouvoir regarder ça. On est des putains de machines, les gars. Vraiment, hein.
Là, ce qu'on a fait, c'est très très beau. Hein. Alors évidemment, quand on connaît pas trop le système, quand on n'a pas compris qu'il était littéralement aveugle, on a tendance à courir. En fait, si tu cours, t'es mort. T'es mort, il t'arrache comme jamais. Ah, ouais. Ceci expliquait ça. Bon, est-ce que par hasard, le sniper va pas m'être utile le temps que je fasse le doublé? Yes? Ça, c'est pas cool. Hein. Ça, c'est pas cool, mais bon, hé, pourquoi pas, au pistolet toujours. Putain, on s'en sort tellement bien, là, vraiment. Là, c'est sale, le mec. Hein. Là, franchement, on n'est pas des machines. Alors, par contre... Les gars, je sais que ça en a frustré un ou deux, le fait que je dise « C'est mignon, mais tu vas pas m'apprendre genre le suplex. » Bon, voilà. Mais vous pouvez quand même... N'hésitez pas si vous avez des tips. Comme je dis, on peut pas se souvenir à 800% d'un jeu. Si j'ai loupé un trésor ou autre, n'hésitez pas à me dire où il est. Il n'y a pas de souci. L'erreur est humaine, encore une fois. Je ne suis pas une machine. Je peux oublier certaines choses. Je compte sur vous. Il n'y a pas de problème là-dessus, les gars. Allez, dégage. Ça, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est pas cool. On n'est pas prêt. C'est les gars à l'arbalète. J'en ai un très mauvais souvenir. C'est bon, ça? Ok. J'ai cru que ça allait se fermer. Il n'y a pas de quoi sauvegarder, hein. On est... Oh, ma gueule. Voilà, va là-bas. Rentre à la maison. Toi, le problème, c'est que j'ai peur que tu... Je crois qu'ils ne font pas de capuche. Non, c'est bon. J'allais dire, ils se changent la plupart du temps, mais c'est faux. Ok, bougez pas. Il est temps d'analyser, encore une fois, la map. Ouais, ça va être long. Ça va être très long, là, ce qui va se passer. Si c'est ce que je pense. La pièce suivante va être relativement longue. On va faire ça la prochaine fois. Je vais sauvegarder. Parce que mine de rien, on s'en est quand même relativement bien tiré. Et on va pouvoir bah, tout simplement se retrouver à l'épisode 9. Où là, ça va être boucherie, charcuterie, enfin tous les plaisirs. Et l'épisode 9, je vais faire en sorte qu'il dure un petit peu plus longtemps. Histoire de vous faire plaisir, tout simplement. Histoire de vous régaler vos petites papilles gustatives. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. A plus tout le monde. Ciao, ciao.